Les conditions météo sont les mêmes qu'hier. Donc, il y a une incertitude vis-à-vis de la mise en orbite. Par contre, vous voyez, la chaîne SpaceX est activée. I'm Jesse Anderson. I'm joining you from SpaceX headquarters in Hawthorne, California, just a few hours south of our launch site. Now, tonight, we are launching SpaceX's seventh dedicated SmallSat rideshare program mission, which marks our 24th launch for this year and 224th mission of all time. Now on this flight are 51 spacecraft, including CubeSats, Microsats, hosted payloads, and orbital transfer vehicles carrying spacecraft to be deployed at a later time. There will be a total of 36 deployments made between two deployment sequences. The first deployment sequence will begin around the T+1 hour mark and will last approximately 20 minutes. Now we are expecting to lose ground station coverage partway through the first deployment sequence, so only a few of our deployments will be visible today. However, when we're back in range of ground stations, we do expect to have telemetry and hear audio confirmation over the nets. The second and last deployment will happen at the T+2 hour and 35 minute mark after additional second stage burns. At T-10 minutes and about 30 seconds from liftoff, the vehicle is healthy. We're currently working no issues and looking good for an on-time liftoff tonight. Weather is green. The range is ready to support our T0 of 11:48 p.m. Bon, vous avez time. Vu. If for some reason we do not launch today, we bon do signe. Have another opportunity tomorrow at the same time. Ah, par contre, ils donnent d'autres opportunités pour demain. Bon, ça... Good evening. I'm Somi Srivastava, a structures engineer here at SpaceX. And on your screen is a live view of the Falcon 9, which is a reusable two-stage rocket, which rolled out to the pad and went vertical very early yesterday morning. Starting from the bottom of the rocket, we have our 9 M1D engines connected to the first stage. These 9 Merlin engines help accelerate the vehicle through the thickest part of the Earth's atmosphere and into space. These engines are connected to the largest part of the vehicle, or the first stage, which is referred to as the booster. The first stage supporting our mission tonight is flying for its 10th time tonight, having previously launched Sentinel 6 Michael Freilich, DART, and 7 Starlink missions. Above the first stage is the second stage, which has a single Merlin vacuum, or MVAC engine, which ignites after the first stage separates. The second stage is what will carry our 51 spacecraft to their intended orbits in space. During today's mission, you will notice a shorter nozzle extension attached to our MVAC engine. And going forward, our teams plan to use this shorter nozzle when we don't need as much performance to get the payload to its final destination. But don't worry, the larger nozzles that you're so used to seeing are not going away forever, and we will still fly the full-sized MVAC nozzles on missions that require a more significant amount of thrust from stage 2 or ones that contain a heavier payload. So keep an eye out for that view after stage separation. And at the very top of the rocket, you'll notice the large structure with the pointed nose at the top of the second stage, and that is our payload fairing. Fairing is made up of 2 carbon composite halves and protects the payload on their way to orbit and will be jettisoned around 3 minutes into flight. The rideshare payloads are currently safely enclosed inside of the 17-foot diameter fairing, with each half flying today being flight proven. One half is flying for the second time and the other a fifth time. Speaking of payloads, on board the Falcon 9 today, we have a main payload located at the top of the stack for our customer, Tubitaku Zai. The Imedja spacecraft is the 4th satellite manufactured by Tubitaku Zai, which is the space branch for the Scientific and Technological Research Council of Turkey. Imedja in Turkish means collaboration or collective work, as it was a project that was worked on by several institutions and holds great significance in the Turkish culture. With that, here's a video highlighting our main payload. À la régie, est-ce qu'on peut récupérer la main ici? Parce qu'on va quand même s'occuper de nos affaires. C'est quand même plus intéressant. On vous laisse quand même les images en fond. Donc, encore une fois, on vous remercie tous et toutes, évidemment, d'être venus. Oui, alors de toute façon, on va expliquer des choses, mais je crois qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc, et là, vous avez vu, on répète la même séquence. Donc, on espère juste aller plus loin sur la séquence.
Voilà, alors des particularités quand même. C'est le premier tir transporteur depuis Vandenberg de nuit, comme on a expliqué. Une pièce a été modifiée. Et ensuite, bah, y a quand même quelques particularités à suivre. On verra ce qu'il va se passer. Bon, on espère évidemment battre le record d'hier. Hier, on s'arrêta vers 28 secondes. Donc, on a quand même une marge. On espère partir, là. Il n'y a pas le choix. Bon, bah, y en a beaucoup qui sont optimistes. Pour ma part, avec Christophe Dufour, nous sommes à la limite de la limite de la limite. On ne peut plus aller plus loin. On a un rendez-vous à Singapour avec tous les spécialistes du monde entier sur le spatial, ceux qui développent ces programmes. Et donc, nous, demain, on sera à Singapour. Et quelque part, au niveau du planning, c'est magique parce qu'on arrive avec, et on l'espère, quelque chose qui va être lancé. Sinon, on le verra depuis l'étranger. Vous serez les derniers à avoir lancé un satellite. Pas mal, quand même. C'est vrai. Alors, les derniers, comme j'ai expliqué, il y a aussi nos amis du LASP. Donc, qui est une, tu peux peut-être en parler rapidement, le LASP. C'est l'homologue du LATMOS en sciences de l'atmosphère. Ouais. Ben, le LASP, oui, c'est un laboratoire vraiment à la pointe, avec qui on a collaboré finalement dès le début de ses activités. Ils envoient aussi des petits satellites et des gros d'ailleurs. C'est un laboratoire qui a à peu près les mêmes thématiques que nous. Exploration de l'univers, planétologie, observation de la Terre. Et avec eux, on a créé un consortium qui s'appelle INSPIRE, d'où le nom, InspireSat-7, parce que c'est le septième satellite défini de ce programme. Et donc, avec plein d'autres pays, je crois qu'on est neuf globalement dans le programme. Oui, exactement, nous sommes neuf. Et donc, on échange, on s'auto-évalue, c'est-à-dire qu'on fait partie des comités des autres satellites pour vérifier que les choses sont bien faites. Parce qu'il y a plein d'étapes dans la conception d'un satellite, mais surtout, ce que l'on fait, c'est qu'on fait des revues pour être certain que les choses sont faites et contrôlées de la bonne façon avec des yeux extérieurs. Alors, on croise les doigts parce que si ce deuxième satellite est opérationnel, donc l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Sorbonne Université, le CNRS, mais aussi l'ONERA. Nous travaillons avec l'ONERA et tous nos partenaires industriels. Nous allons avoir deux satellites opérationnels. Et ça, c'est unique. C'est quelque chose d'unique. Donc, si on regarde vis-à-vis de nos partenaires du LASP, nous en avons lancé un. C'est un peu mitigé comme bilan. Et nos collègues aussi de National Central University. Donc, on travaille avec eux. On va les voir. On va discuter. C'est juste pour dire que nous avons une position internationale et forte. Alors, un petit rappel, seuls 11 pays ont la capacité à lancer leurs satellites et à les mettre en opération, dont la France, puis les grosses puissances spatiales. Et on peut dire que, de manière générale, bon, une quarantaine de pays ont mis en orbite un satellite. Voilà. Donc, ça donne une idée de la dimension et du travail qui est réalisé. Alors, dans ce lancement, nous avons des nouveaux arrivants, comme le Kenya. Donc, on échange avec eux et on voit qu'ils sont aussi très impatients. Donc, vous vous doutez que nous ne sommes pas les seuls à... Parce que là, le stress commence à augmenter. Voilà. Mais juste, je peux te donner une petite chose ou tu veux peut-être parler ou... Non, vas-y. Là, je vois qu'on approche de plus en plus du moment fatidique. Donc, on est à 3 minutes. Voilà. Alors, il y a un master New Space qui a été mis en place. Il faudrait plus d'étudiants, notamment qui viennent des licences. C'est vraiment une chose qui est très bien parce que, alors, on a une vision du New Space qui est différente de celle des industriels. C'est normal, on a une vision recherche et éducation. Mais le New Space et la révolution CubeSat sont en train de bousculer un ordre établi en proposant notamment une nouvelle utilisation de l'espace. Et nul doute que le New Space nous fait entrer dans une nouvelle ère spatiale, entraînant une dépendance croissante à l'espace de nos sociétés contemporaines. Alors, sa conquête prend de plus en plus une tournure économique, et ça, c'est quelque part inquiétant pour nous, et sa privatisation est en marche. Donc, les activités récréatives, comme le tourisme spatial, vont se multiplier. Donc, ces acteurs majeurs du New Space, que vous connaissez, donc typiquement, vous voyez qu'on part avec SpaceX, mais il y en a d'autres, ils veulent ouvrir l'espace à davantage de monde en cultivant le mythe de la conquête spatiale. Quelque part, ils vendent aussi une forme de rêve. Oui, alors tu parlais du master, c'est vrai, mais alors le master, il bénéficie de quoi? Il bénéficie de deux choses très importantes. C'est pour ça qu'effectivement, tu disais aux étudiants de venir. C'est vrai que c'est,
c'est une bonne chose. C'est que d'une part, il y a des installations réelles. Donc ça veut dire que les étudiants travaillent dans ces installations, ce qui est relativement unique. Et puis l'autre chose, c'est qu'elles sont en contact avec des équipes qui envoient vraiment des satellites dans l'espace. Donc il y a une vraie expertise. Donc en ça, c'est vrai que tous les étudiants qu'on reçoit sont dans un contexte quand même hyper favorable. Alors il y a un gros avantage quand même, c'est qu'on est à l'origine de la mission avec l'idée scientifique. Donc partir de la feuille blanche pour aller jusqu'à l'exploitation et le retrait, c'est quelque chose d'unique. Donc on remercie encore une fois tous ceux qui nous aident. Hein. Bon, j'insiste, hein, j'ai parlé de l'ONERA. L'ONERA, c'est un appui fort pour nous. Nous avons aussi l'appui du CNES. Donc nous avons reçu un message très amical de nos amis du Nanolab Academy. Hein, je ne sais pas si on pourra à un moment montrer la photo à la fin. Tous les systèmes nous apportent une aide et un support intéressant. Alors, plus qu'une minute, hein. Donc là, on va se concentrer effectivement sur les images. Peut-être qu'on peut éteindre la lumière mettre et mettre son, un peu de son. Est-ce qu'on peut... LDS go for launch. Alors. Great news. All systems are go for launch of Falcon 9 with all 51 payloads on Transporter 7. Avec toujours, hein, ici, pour ceux qui n'avaient pas suivi, on a le... Bon, ben, on a battu le record d'hier. Et là, j'ai la pression qui monte. Bon, on est en Californie, là. Hein. Croisez les doigts. Je te laisse faire un décompte. C'est le président. On va faire un décompte avec vous. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parti. Go. Et eh ben on y est là. C'est parti. Ça s'allume, c'est fini. Bon, les deux premières minutes sont très importantes. Hein. Stage 1 propulsion nominal. Plus 30 seconds into flight, and Falcon 9 has cleared the tower at Space Launch Complex 4 East. We're currently throttling down the engines in preparation for Max-Q. Max-Q is the maximum... Nominal power and telemetry. On a parlé hier du Max-Q. ...pressure that the vehicle will see on ascent. That's the largest structural load on the vehicle. Falcon 9 is supersonic. Good call-outs there, and we are coming up on Max-Q in just a few seconds from now. Donc là aussi, c'est une partie assez stratégique, critique. Donc là, on est à Max-Q. Hein. Donc. Max-Q. Max-Q, ça y est, atteint. Great news, we've passed through Max-Q. And with that, we do have là, a few events là. Coming up here, back to back. That will be MECO stage separation, stage one flip, SES-1. And back chill has started. And the start of the boost back burn. Now, MECO is main engine cutoff. That's where we will shut down all of those engines that you are seeing lit up on your screen. That will help slow the vehicle down in preparation. Vous voyez la vitesse à gauche, hein, on est à plus de 3000 km/h. Nous sommes à une altitude de 30 km. And the boost back burn. And the second stage will ignite the MVAC engine. For the first time with SES-1 or second stage engine start one. Donc NVAC, hein, c'est la nouvelle pièce dont je vous ai parlé. Hein. Voilà, là on a une photo depuis le. La fusée. Donc là on est dans la stratosphère. And we are flying a shorter nozzle for this mission. And you can see it there on your screen. And we are preparing for a few events coming up. Et on se dirige, on va traverser la mésosphère, un peu moins dense. Stage one flip, SES-1. And the boost back burn on the first stage. MECO, stage separation confirmed. Voilà, donc séparation. Donc là, vous voyez la séparation. And back ignition. Stage one boost back startup. And incredible views there. We've had MECO stage separation. The first stage vehicle has performed its flip maneuver and has started up its boost back burn, and on your right-hand screen, what an incredible view. You can see the shorter MVAC nozzle there, and that MVAC engine burning extremely bright on the screen.
Donc, comme ça avait été expliqué hier, au moment de la séparation, les moteurs sont éteints. Alors, on a une vue ici, vous voyez, de l'ensemble des charges utiles. Donc, tous les satellites. Donc, 109 km d'altitude. Donc, ça y est, on est sorti de ce qu'on appelle l'atmosphère neutre. C'est-à-dire là où on apprend la concentration d'oxygène et d'azote. On pourrait peut-être appeler Alain Hochkorn, là. Alain connaît parfaitement ça, bien sûr. Donc, c'est vraiment notre spécialiste. Hein. In great call out, that concludes the boost back burn of the first stage, as you saw that engine shut down. Alors, cette partie donc, se dirige à 500 km d'altitude. Hein. C'est là où on va à un moment avoir la séparation de nos satellites. Et on va aussi surveiller la récupération du premier étage. Moi, si tu peux juste nous dire un petit mot vis-à-vis des différentes couches de l'atmosphère. Oui, donc on a vu qu'on traversait les différentes couches. Donc d'abord la troposphère dans laquelle nous vivons et dans laquelle tous forment les nuages. Au-dessus, il y a la stratosphère avec la couche d'ozone qui nous protège des rayonnements ultraviolets. Et là, alors la densité décroît exponentiellement avec l'altitude. Au-dessus, on a la mésosphère qui est une couche un peu intermédiaire où il y a beaucoup de phénomènes dynamiques, mais qui est aussi importante pour le climat. Et enfin, on rentre dans la thermosphère qui peut atteindre plusieurs centaines, même plus de 1000 degrés, mais avec une densité extrêmement faible due au rayonnement ultraviolet lointain également, qui est très ionisé avec... les molécules sont dissociées par le rayonnement ultraviolet lointain et donc avec tout un environnement de plasma que nous étudions au laboratoire avec différentes techniques. Ben, je te remercie Alain. Alors je vais quand même te poser une question. Hein, une petite question. Alors juste avant, on va quand même souhaiter, il y a deux anniversaires aujourd'hui. Hein. On a notre ami Luc, joyeux anniversaire. Et puis on a aussi Valentin Sté, d'Acri ST, c'est son anniversaire. Il m'a envoyé un petit message très sympathique, il m'a dit c'est mon anniversaire, ça va partir. Bon, bah, visiblement, merci à lui. Merci Valentin. Alors Alain, là, qu'est-ce que l'on va faire avec ce satellite là-haut? Qu'est-ce que tu penses faire? Très rapidement, hein, avec un SpearSat, puis les suivants. Avec un SpearSat, bah, donc on va continuer les études du bilan radiatif. On avait déjà eu VSQ7 en vol, donc on en aura deux. Donc c'est un début de constellation, parce que l'idée, c'est d'avoir à terme toute une constellation de satellites pour avoir une bien meilleure résolution des phénomènes qui se passent là-haut. Et on a également des mesures ultraviolettes. Alors le rayonnement ultraviolet est très important pour nous, puisque c'est celui qui a créé l'ozone, et également ensuite la couche d'ozone nous protège des rayons solaires. Donc on va étudier l'ultraviolet. Donc, bon, et ce n'est qu'un début, puisqu'on a encore des projets ensuite. Alors il y a également les mesures ionosphériques de nos collègues de l'ONERA. Et Patrick Galoppo aussi, Patrick, hein, à un moment, il viendra discuter avec nous aussi. Patrick Galoppo qui est également au LATMOS, qui participe à ces mesures ionosphériques. Et ensuite, on rêve de la suite. Bon, je pense que ça sera plus qu'un rêve, pour étendre à des mesures d'autres constituants, comme bon, les gaz à effet de serre. Évidemment, c'est un problème très important de surveiller les émissions, également les puits et sources de gaz à effet de serre, et également de mesurer le profil de température en observant Olympe. Donc, au futur, on va avoir des nanosatellites de plus en plus ambitieux qui vont permettre de développer toute la science qu'on développe au LATMOS. Ben, merci Alain, hein, c'est superbe. Donc vous voyez, on est une grande famille, hein, on essaye de faire les choses entre nous. Alors, juste avant que Patrick ne parle, sur la gauche, là, vous voyez, là, on a l'étage numéro 1 qui est en train de revenir. Hein, 9 km d'altitude, 2000 km/h. Sur la droite, alors l'étage 2, vous voyez, c'est 17 000 km par heure. Et là, nous sommes à environ 195 km d'altitude. Donc, vous voyez deux niveaux. Et puis, bon, on va voir un peu ce qui va se passer au niveau de l'atterrissage. Et puis après, on posera la petite question à Patrick. Hein ? Oui. Ah oui, oui. Oui, bah, là, je vois qu'à 195 km, 194 voilà. km d'altitude, on est en plein dans l'ionosphère cette fois. Et... Alors, regardez l'étage, l'étage numéro 1, là. Oui, là, on voit et la barre. Vous voyez la base. Hein. Donc, on voit sur la gauche la récupération. On croise les doigts. Stage 1 landing confirmed. Alors. C'est confirmé, visiblement. We had a successful first stage landing at landing zone 4.
Alors, on a vu qu'il y avait quelques enfants. Hein. Ceux qui sont venus, c'est très bien. Donc, vous voyez cet étage qui est revenu. À un moment, ils vont activer ces petits bras. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que cette récupération, c'est un enjeu économique, hein, puisque du coup, on peut refaire revoler le premier étage. Voilà. Donc, ça vous donne un peu une idée du montage. Alors, vous avez bien compris, nous sommes de grands enfants. Alors là, puis, on voit un petit peu les orbites à atteindre et où est-ce qu'on en est. Donc, second allumage. Et donc là, on est en train de se positionner au niveau de l'orbite, 187 km d'altitude. On a eu une présentation il y a quelques jours avec notamment Alain Lino, hein, sur certains outils. Donc oui, évidemment, nous avons besoin de certains outils de simulation pour de l'orbitographie. Hein. Et puis, on va quand même laisser parler Patrick. La ionosphère, oui. En quelques mots, ouais. Très simplement. L'ionosphère, c'est ce qui est au-dessus de l'atmosphère. C'est la partie supérieure de l'atmosphère qui est ionisée. Il y a des électrons, il y a des ions sous l'effet du bombardement UV, de rayons X du Soleil. Et c'est ce que nous allons étudier avec l'instrument Iono qui est à bord du petit nanosatellite. Et c'est nouveau par rapport à notre précédente expérience du VSQ-SAT. Donc, on espère, nouveaux résultats, on espère vraiment découvrir de nouvelles choses et un suivi. Et continue. Du coup, là, des grandeurs nouvelles, parce que finalement, le champ magnétique a une importance. Oui, aussi. Et le champ électrique. Aussi. C'est le champ électrique qu'on va observer en plus par rapport à ce qu'on avait fait. C'est vraiment nouveau, ça va compléter et puis mieux comprendre les paramètres qui interviennent sur l'atmosphère en dessous. Si on veut étudier le réchauffement plus finement, on a aussi besoin de ça. Le lien entre les différentes couches atmosphériques. Et l'impact avec les communications, notamment. Aussi, voilà. Oui, aussi. Donc ça, c'est une coopération forte avec l'ONERA. Mais oui. Il faut rappeler que France 1, le premier satellite, avait déjà ça comme objectif, c'est-à-dire mieux comprendre les télécoms. Hein. Donc on est toujours dans ces questions-là. Bien sûr, maintenant, ça va être plus fin. C'est-à-dire qu'on va regarder les perturbations atmosphériques, comment elles perturbent les transmissions. Bon, en parallèle, alors, on aurait bien aimé que le lancement ait lieu hier. On vous a mis ici une fusée d'Ariane, Ariane 5. Donc, on dit bravo aux équipes de JUICE. Hein. C'est une superbe mission. Donc, c'était surtout le dernier vol d'Ariane 5. L'avant-dernier. L'avant-dernier vol, oui. L'avant-dernier. Donc, nous aussi, on prépare la suite et on rêve d'Ariane 5, on rêve d'Ariane 6, de Vega C, hein, pour pouvoir embarquer. On va vous présenter à la fin. On attend le déploiement, mais on vous montrera. On a des perspectives. Alors, l'image est figée. On est à 11 minutes. Alors, je vais quand même faire un petit parallèle avec ce que j'étais en train de dire là précédemment. Donc, je vous parlais là de cette forme de conquête spatiale qui prend une nouvelle allure. Alors, comme j'ai expliqué, les milliardaires de l'espace, vous les connaissez, hein, vendent une nouvelle approche du spatial. On peut dire qu'on a une approche différente, hein, complètement. Oui, oui, oui. On n'est pas du tout à ce niveau. Déjà, c'est tout petit ce qu'on fait. Mais leurs promesses, elles séduisent, hein, parce que quelque part, ils proposent une vision positive de l'avenir. Mais la question, c'est... est-ce que c'est réellement quelque chose qui est possible ou pas? Ce que l'on sait de notre côté, c'est qu'il est urgent de nous occuper du plan A, c'est-à-dire la planète. Et la question du changement climatique remet en jeu tous les modes d'organisation économique et sociale de l'ensemble des pays de notre planète. Donc il faut s'engager pleinement dans la bataille pour le climat et utiliser ces satellites justement comme vigie pour pouvoir préserver la Terre. Tout à fait. Mais alors, ce qu'il faut dire quand même sur les aspects de New Space, c'est que y a des ambitions, bien évidemment. Donc ça, c'est une caractéristique aussi du New Space. Mais aussi, finalement, c'est aussi l'approche qui est un petit peu différente. Ce côté essai-erreur qui permet finalement d'accélérer parce que, effectivement, là, maintenant, ça,
ça atterrit. Alors, personne ne pensait qu'on arriverait à faire atterrir un premier étage. Il y a eu beaucoup de casses au début. Et maintenant, ça fonctionne. Donc, ça, c'est une méthode un petit peu différente que celle qu'on avait. Et donc, nous, on essaie aussi de s'y inspirer, mais on met un peu la French touch dedans. Hein. Oui, je confirme, oui. Donc, ce qu'on a mis en place, évidemment, c'est une filière scientifique pour essayer d'imaginer une nouvelle approche pour observer depuis l'espace. Et on va s'appuyer sur trois piliers, donc éducation, recherche et industrie. Et un des objectifs, c'est évidemment la réappropriation. Ça, c'est quelque chose d'important. Réappropriation des technologies. Oui. Alors ça, on l'a surtout vu aussi, finalement, pendant UVSQSAT, puisque tout était préparé pendant la période Covid. Donc c'est là où on a réalisé qu'effectivement, c'était un peu compliqué de dépendre des autres, toujours des autres. Exactement. Et donc, pour y arriver rapidement, on a mis en place une approche verticale. Alors, une approche verticale, c'est un principe assez simple. C'est qu'on part d'une feuille blanche et on essaye d'avoir la capacité pour pouvoir réaliser les différents segments. Donc le spatial, deux segments, un segment sol et un segment spatial, celui qui permet de développer un satellite. Le segment sol, c'est un centre de contrôle-commande, un centre de mission pour pouvoir faire l'exploitation de la donnée. Et on va appeler André Jean là, pour qu'il nous dise quelles ont été les dernières préparations, vu que ces derniers temps, nous avons remis en place des petits réglages, des petits correctifs pour pouvoir y arriver. Puis surtout que c'est le centre de commande qui va ensuite prendre les opérations en main. De centre de contrôle-commande et puis de manière générale un peu... Le spécialiste, c'est Emmanuel. Peut-être le déploiement. Oui, voilà. Je vais vous parler de la suite parce que là, on a une petite pause. Le prochain événement au niveau du lanceur... C'est à 57 minutes, je crois. Donc on a une petite pause avant que le deuxième étage remette à s'allumer et pour atteindre l'orbite finale. Et où là, il va commencer sa séquence de déploiement de tous les satellites qui sont à bord. Nous serons déployés à 1h05 exactement. Donc j'espère qu'on aura des images de SpaceX à ce moment-là qui va nous permettre d'observer notre satellite au moment de l'éjection. Ce serait intéressant. Normalement, ils le font. Ah, ça, c'est relativement nouveau, parce que finalement, c'est surtout spécifique. Normalement, dans les transporteurs, ils le font. On l'a vu dans Transporter 6. Ouais. Alors là, il faut savoir que... on ne voit pas là où il est au niveau de la Terre, mais de ce que j'ai compris, là, il est vraiment au-dessus du Pacifique Sud, où il n'y a peut-être pas assez de stations sol pour récupérer toutes les données en direct. Facilement pour SpaceX, donc malgré tous les satellites qu'ils ont en l'air, ils réussissent pas encore tout. Donc là, on va après passer au-dessus de l'Antarctique, et enfin, on va arriver. La première orbite qu'on a avec avec Célestrac, c'est au-dessus de Madagascar. Et là, il va passer au-dessus de l'Afrique et au-dessus de l'Europe du Nord, de l'Europe de l'Est. Et à ce moment-là. C'est là où on va être éjecté, nous. On a cette chance, sauf qu'au moment de l'éjection, j'ai expliqué hier, donc à 1h05, nous, on va attendre 15 minutes avant d'émettre notre première trame, donc 15 minutes. Là, on sera à ce moment-là au-dessus du pôle Nord. Donc ça va être plus difficile à récupérer. Donc après, le satellite, il va aller où ? Il va aller au niveau du Pacifique Nord, Pacifique Sud, donc là... Il n'y a pas beaucoup de radioamateurs dans le Pacifique, je crois, qui va pouvoir capter ça. Il n'y a pas beaucoup d'îles. Donc, on va attendre encore le passage au-dessus de l'Afrique et de l'Europe. Et donc là, je vous donnerai rendez-vous au CCC. C'est à 11h tout à l'heure. Au centre de contrôle-commande. Au centre de contrôle-commande. Alors, je cherchais Emmanuel, je l'ai retrouvé. Je pensais qu'il était déjà là-haut. Hein. Non, il est là. vers 11h, je crois que c'est... On attend la confirmation de l'orbite avec les fichiers TLE qui vont nous être fournis dans la prochaine heure. Non, après le déploiement, donc dans plus d'une heure. En clair, André Jean, si on prend cette maquette, donc là, bon, nous avons vu, c'est le satellite à l'échelle 1. Oui. Donc il était au niveau du lanceur. Et sur toutes les faces du satellite, nous avons positionné des détecteurs. Hein. C'est ce que l'on voit ici. Matérialisé par des petits carrés blancs. Entre les panneaux solaires. Donc il y a les panneaux solaires et il y a les détecteurs. Exactement. Et ces cellules-là sont des cellules solaires. Donc, initialement, évidemment, les antennes sont non déployées. Sont repliées.
Donc elles sont bien en position fermée. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est en forme de cube. Pourquoi c'est en forme de cube? C'est parce que ça rentre dans un éjecteur standard qui a pour tous les CubeSat la même taille. Et donc, bien évidemment, il ne faut que rien ne sorte. Donc ça sort et ça se déploie. Alors certains déploient des panneaux solaires. Nous, sur celui-là, on ne déploie pas de panneaux solaires. Certains vont déployer des panneaux solaires, des antennes, des choses comme ça. Nous, on déploie nos petites antennes. Alors, il y a deux jeux d'antennes, là. Oui. Deux jeux d'antennes, pour expliquer. Effectivement, il y a deux jeux d'antennes. Donc, on a une face au-dessus, une face en dessous, même si dans l'espace, il n'y a pas de dessus-dessous. Mais on l'a repéré. La face du dessous, c'est les premières antennes qui vont être déployées pour les télécommandes et les télémétries. Pour pouvoir communiquer directement avec eux, donc avec le satellite. C'est la séquence qui se passe juste après les 15 minutes d'attente. Il y a le déploiement de ces antennes-là. Et puis après, quand on aura communiqué avec lui, donc j'espère aujourd'hui, si tout va bien, peut-être en soirée ce soir, on va faire la séquence pour déployer les autres antennes. Et celle-ci, ce sera par télécommande. Alors, je peux dire un petit mot, hein, pourquoi c'est important? Parce que, bon, au départ, vous avez vu, c'est en position. Alors, nous, on utilise un terme qui est gerbé. C'est pas très joli, mais ça veut dire remballé. C'est pareil avec un rover. Vous avez vu qu'on souhaite utiliser les roues en général. On les met en position stackée pour préserver l'intégrité du système. Et ensuite, la première chose à faire, c'est le satellite va être éjecté. Donc, il va être mis en rotation. Donc, un des premiers problèmes pour nous, c'est le stabiliser. Parce que s'il est en trop grosse rotation, c'est un problème. Oui, tout à fait. On risque de mal capter les ondes radio, etc. On préfère qu'il soit plus stable. Et en plus, nos capteurs, pour nous, nos mesures, s'ils tournent beaucoup trop vite, on ne va pas avoir une précision de mesure intéressante. Donc, on le stabilise. Donc, le stabiliser. Et ensuite, la deuxième étape, c'est déployer le plus rapidement ces antennes. Une des raisons, c'est que nous utilisons des petits fils. En dynéma, c'est un matériau particulier. Donc, il faut chauffer ce fil pour pouvoir casser la liaison et libérer les antennes. Si on ne fait pas ça rapidement, le satellite, sa température diminue. Donc, vous avez vu, on est parti à une certaine température. Alors, pour nous, ça fait partie aussi des incertitudes. Le cas idéal, c'est de partir à 20 degrés Celsius et de décoller. Là, si on est parti... À mon avis, on peut être aux alentours de 5 degrés Celsius, donc on est déjà froid, plus de l'humidité qui peut s'accumuler au niveau du dispositif. Ça veut dire que là-haut, il faut dégazer les matériaux, l'eau, et ensuite, on démarre à 5 degrés C. La température baisse. Si la température devient trop basse, on a besoin de plus d'énergie. Si on n'arrive pas à déployer les antennes, on perd la communication avec le satellite. Donc, première étape, chauffer les fils, déployer ces premières antennes de communication. Tout à fait. Et donc ensuite, après avoir déployé ces antennes, on stabilise le satellite, comme l'a dit. Et là, on se met en attente, comme je l'ai indiqué hier, du passage au-dessus de l'Atmos pour envoyer les premières télécommandes. Alors, deuxième étape importante, justement, c'est la partie haute. Nous avons d'autres antennes. Ce sont les antennes qui permettent de faire la liaison avec la carte IONO, donc la carte sur laquelle nous travaillons avec l'ONERA, et nous devons prendre la main le plus rapidement possible pour pouvoir déployer ces antennes. Alors, on va remercier aussi les gens de l'administration qui nous permettent d'accéder au bâtiment, ceux qui nous ont permis de passer des commandes, l'informatique. Bon, on embête beaucoup de monde, on est vraiment désolé, mais on a des contraintes opérationnelles qui font que parfois, même nous, on n'a pas le choix. Ils partagent nos contraintes. Merci à vous. Exactement. Et on peut vous promettre une chose, nous avons toujours des problèmes, tout le temps au mauvais moment. Par exemple, sur UVSQSAT, on a eu à un moment une perte de communication, c'était un 24 décembre, et on s'est retrouvé dans une incapacité à reprendre la main sur un satellite proprement, pas d'accès au lieu où on a besoin à un moment d'être présent physiquement. Alors, il y en a beaucoup qui vantent le télétravail, c'est bien le télétravail, mais nous, on a besoin d'être physiquement en contact, de discuter entre nous et de faire des choses. Alors, des outils existent. On a utilisé massivement WhatsApp, par exemple. Ah oui. Et donc, on a appris une chose, c'est qu'on a fait une voie de communication par personne intéressée pour gagner du temps. Donc, en permanence, on essaie de gagner du temps en cassant les boucles de décision et en laissant les spécialistes parler entre eux. Voilà. Par contre, il y a des personnes qui doivent être en contact de l'ensemble pour garder la cohésion de l'information. Donc, le satellite est éjecté, les antennes de l'ONERA et du LATMOS sont éjectées. Et alors là,
Et alors là, on va mettre à l'heure le satellite, on va faire plein d'opérations qui vont nous permettre de vérifier la bonne santé du satellite. Et ça, ça va durer 2 semaines au minimum. Et donc chaque jour, on va faire une opération différente. Parce que vous avez compris qu'on est au-dessus de l'Atmos 4 fois par jour, 2 fois le matin, 2 fois le soir. Et donc, on ne peut pas envoyer des télécommandes comme on veut, quand on veut. Donc, en même temps, il faut récupérer les données liées aux opérations que l'on a faites. Donc ça, ça prend du temps. Et donc, on estime à 2 semaines, si tout va bien, la validation, donc ce qu'on appelle la recette en vol du satellite. Ça, ça va prendre 2 semaines. On va, pendant ces 2 semaines, démarrer les unes après les autres, les uns après les autres, les sous-systèmes, puis les charges utiles qui sont à bord. Donc, on a la charge utile liée à tous ces capteurs du Latmos. On a la charge utile radioamateur avec la carte Spino. On a la charge utile Iono avec, pour l'étude de la ionosphère. On a une charge utile aussi de la société OLEDCOM pour tester les liaisons LiFi. Donc, par, liaisons sans fil. Liaisons sans fil. Et on a aussi une charge utile, un IMU, pour avoir l'accéléromètre. Une centrale inertielle. Une centrale inertielle. Pour avoir l'attitude du satellite. Donc ça aussi, une autre charge utile. Donc au total, on a 5 charges utiles à l'intérieur. Donc ça fait quasiment 5 à 6 nouvelles cartes électroniques qui ont été développées en moins de 2 ans. On voit que c'est possible, hein, en maîtrisant bien les process. Donc après, on fera une petite note management quand même pour vous expliquer comment on a fait pour aller aussi vite. Alors, après, on a les relations entre nous et les discussions entre nous. Alors, il y a évidemment les gens très, très, très prudents, parce qu'on va former un ensemble, une équipe avec un ensemble et des qualités. Puis on a des qualités et des défauts, comme tout le monde. Alors, on a les très prudents. Là, je nommerai Emmanuel Bertrand. Les mitigés. Et ceux qui prennent des risques. Ben, c'est nous. Donc, nous, on va être les casse-pieds. C'est-à-dire qu'on va les pousser pour essayer d'aller tester le plus rapidement les choses. Parce que moi, j'ai une des craintes, c'est qu'à un moment, on peut avoir une carte, un élément qui ne fonctionne pas, parce que dans le temps, ça peut s'user rapidement. Donc, moi, je fais partie des personnes qu'il faut tester rapidement les fonctionnalités pour vérifier que cela fonctionne, et ensuite revenir et faire une deuxième passe plus calmement. Donc, on a tendance à pousser. Alors, typiquement, on va être intéressé aussi à activer Spino, et je pense que là, la communauté radioamateur va aussi m'encourager à ce qu'on l'active rapidement. Ah, donc je remercie Yannick Avellino qui est présent, mais aussi Michel et son collègue, hein, qui nous ont formés. Hein. Alors, si vous pouvez venir aussi nous voir rapidement, Michel, on est obligé de vous faire monter. C'est vous qui nous avez formés à la partie radioamateur, ou Michel, ou les deux. Ou... Voilà. Les donc, deux. On souhaite activer le plus rapidement là, une carte qui s'appelle Spino, c'est une carte radioamateur. Et ensuite, nous avons un transpondeur audio. Oui, bonjour à tous. Donc, en effet, la communauté radioamateur a aidé UVSQSAT à faire des petites vérifications au niveau radio avec nos modestes moyens. Nous, au niveau du Radio Club de Saint-Quentin-en-Yvelines, on a une sorte de station sol bien moins évoluée que celle que vous avez ici au niveau des moyens radio. Mais nous avons néanmoins des antennes directives en VHF et en UHF qui peuvent, avec un poste radio maintenant qui est un petit peu ancien, mais qui nous permet quand même de pouvoir suivre avec nos rotors le satellite UVSQSAT. Donc on a pu, dès le début, avec le Latmos, faire des essais, même depuis la colline. À l'époque... La colline d'Elancourt, oui, où c'était le point le plus haut de l'Île-de-France, mais aussi du VSQSAT à l'époque. Et donc après, il y a eu toute la phase en vol, et maintenant on arrive de manière assez déterministe, dès qu'on le veut, en fait, à pouvoir recevoir les trames du VSQSAT. On en a encore fait hier soir en justement regardant les two-line elements qui peut-être se préparaient pour un SpearSat-7. Les paramètres orbitaux pour les two-line elements. Pardon. Hein. Ouais. C'est qu'on essaye d'être simpliste le plus possible. Oui, il faut éviter les acronymes, en effet, j'en suis conscient. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est autant les amateurs peuvent recevoir les trames, les données, mais le pilotage de l'instrument se fait ici. Alors oui, c'est la commandabilité, c'est-à-dire comment on va contrôler le satellite. Alors on va y revenir après. Par contre, moi je voudrais juste revenir sur la partie communication du satellite. Donc oui, sur UVSQSAT, nous avons fait un test avec la colline d'Elancourt. Nous avons mis le satellite au niveau. Et alors, on était assez satisfaits, mais visiblement ce test n'était pas très bon.
Évidemment, il faut progresser. Il y a des moments où le satellite il peut se déclencher au niveau de sa carte radio un petit peu trop tôt, un petit peu trop tard. Il y a des différences de sensibilité. Et puis maintenant, évidemment, ce n'est pas que de la partie analogique. Il y a beaucoup de paramètres numériques avec des codes dans tous les sens. Donc le New Space avec l'électronique, maintenant, il y a beaucoup de toute cette étape de configuration pour pouvoir exploiter ce genre d'équipement. Donc en effet, tout à l'heure, on parlait des trames de mesure que l'on arrive à recevoir au niveau du Radio Club, un petit peu comme chez vous, mais aussi, évidemment, vous avez une carte transpondeur, et ça, c'est très important pour nous au sein de la communauté. Un transpondeur va nous permettre, pour peut-être les 10 minutes où le satellite va pouvoir survoler une station radio amateur, de pouvoir émettre dans sa direction et de recevoir par rapport aux radio amateurs qui sont dessous, de pouvoir faire un échange, un QSO, comme on dit dans le langage international, voilà, et de pouvoir faire une communication entre radio amateurs avec cette petite chose très intéressante et un concentré de technologie. Eh bien, un grand merci, franchement. Bien. Alors, je terminerai par le test de radiocommunication. Alors, comme on a expliqué, on a fait un test depuis la colline d'Elancourt, ce qui veut dire que nous avons fait monter le satellite au niveau de cette colline. Donc, on remercie la communauté d'agglomération, SQY, qui nous apporte un support. Tout qu'ils ont aidé, là, pour aller sur la colline. Le département des Yvelines, qui est un appui très fort. Voilà, donc ce test a pu être fait malgré la préparation des Jeux Olympiques et l'accès à cette zone. Alors, nous, on s'est interrogé pour InspireSat 7 à pouvoir monter le satellite au niveau de la tour Montparnasse, ou à réfléchir, pouvoir le positionner au niveau de la tour Mangin, qui se situe dans une zone un peu plus au nord de Paris. La testabilité de la communication reste un problème ouvert. Et ce qu'on peut juste vous dire, c'est qu'on pensait l'avoir bien testé avec UVSQSAT. On ne l'a pas bien testé au sol. Et en fin de compte, nous l'avons validé depuis l'espace, avec UVSQSAT en orbite. Et on a eu l'appui, donc, à nouveau de la communauté radioamateur, mais aussi de la société SDR Technologies, qui nous a apporté un très bon support. Voilà. Donc, une fois que le satellite est en orbite, on vous a expliqué la partie recette en vol. Et puis, à un moment, on va passer à la phase de mesure, les mesures, et notamment les étalonnages. Les étalonnages, très important, surtout que, ce qu'on a dit, il doit fonctionner quand même en synergie avec UVSQSAT. Donc, ça doit être compatible. Et compatible sur toutes les faces. On n'a pas expliqué non plus qu'on a des capteurs sur toutes les faces, ce qui fait que pour l'instant, le satellite, alors on ne veut pas qu'il tourne trop vite, mais il tourne quand même. Oui. Donc à un moment donné, parce qu'on a des capteurs sur toutes les faces, on voit toujours ou la Terre ou le Soleil, et donc on peut à la fin déduire le signal qui vient vraiment de la Terre et du Soleil. Alors, on va appeler quelqu'un, là. Ça va être une surprise pour lui. C'est Christophe Dufour. Est-ce qu'il peut venir nous voir pour nous expliquer un peu? Alors, on a vu le... Ah, on a le lever du soleil. Ah oui. Alors, comme expliqué par Philippe, un des objectifs, c'est de pouvoir faire de la science. Et un des paramètres clés, ce sont les étalonnages. Alors, là, on va vous... Christophe va nous expliquer un peu ce que l'on peut faire au niveau du traitement de la donnée, et comment on récupère des données brutes en utilisant des mots simples, et aller jusqu'à la fourniture des cartes, des cartographies de flux. Donc, de la partie récupération de la donnée, un satellite qui est de manière aléatoire dans l'espace, et comment on récupère l'information pour fournir ces cartographies déjà, de flux. Déjà, peut-être, les données, elles sont codées, tout le monde peut les décoder. Les données ne sont pas cryptées, mais il faut savoir en fait, puisque c'est un train binaire, chaque bit à quoi il correspond. Donc il faut avoir accès à un plan qu'on appelle le plan télémétrie télécommande. Et dans ce plan, il est tout décrit. Donc ensuite, chacun des capteurs va donc envoyer. Un signal en fonction de ce qu'il a reçu. Donc, ça va être une valeur en ADU. C'est des données arbitraires qui sont digitalisées. À partir de ces données-là,
On va les mettre ensuite en mesure physique à partir de fonctions de transfert. Donc, on a des fonctions de transfert pour le nouveau satellite qu'on a fait pendant les étalonnages au sol. Pour le premier, c'était plus difficile parce qu'il a fallu du coup inventer ces fonctions de transfert en vol. Une fois que tout est en mesure physique, on a donc c'est essentiellement des capteurs de flux. Donc on va avoir le flux qui va être vu par chaque capteur en watts par mètre carré ou watts par mètre carré par nanomètre selon le capteur. Et cette information-là, par contre, ça nous donne juste quel est le flux vu par le capteur, mais dans la position où il est, alors que le satellite, il se déplace dans tous les sens, il tourne. Donc, ensuite, on va chercher quelle est l'attitude du satellite, c'est-à-dire sa position, son orientation dans l'espace. Donc, pour cela, on va utiliser le magnétomètre qui nous donne le champ magnétique vu par le satellite, ainsi que des modèles qui vont donner quel est le champ magnétique supposé à cet emplacement-là. Ça nous donne donc une première direction. Et la deuxième direction, on va prendre le soleil, puisqu'on a des capteurs de flux qui vont détecter le soleil, et ainsi que un modèle théorique qui va nous donner la position du soleil par rapport au satellite, ce qui nous permet d'avoir deux vecteurs. Donc le champ magnétique et le pointage du soleil. À partir de ces deux vecteurs, on peut calculer donc les matrices de rotation et donc l'orientation du satellite. Une fois qu'on a l'orientation du satellite avec les facteurs de vue que l'on calcule en fonction des angles de chaque face, on déduit le flux réel, c'est-à-dire en fait on va détecter trois flux. Le flux incident du soleil, le flux réfléchi par la Terre et enfin le flux du soleil réfléchi et le flux OLR, enfin le flux thermique de la Terre. Et donc on va avoir pour chaque position du satellite ces trois flux à chaque instant. Ensuite on a donc des séries temporelles de toutes les 30 secondes durant des orbites de 100 minutes à peu près. Et au fur et à mesure du temps, ça va donc décrire toute la planète. Et on va intégrer ça sur 30 jours pour avoir des cartes. Et ensuite, on va faire donc les produits de niveau 2 dans lesquels on va avoir les cartes de flux qui vont être les trois cartes de flux pour la planète. Bah c'est superbe. Alors moi, j'ai juste une dernière question. Hein. Alors, avec deux satellites, on va être pas mal là, ça va nous apporter quelque chose. On peut aussi poser la question hein, à Philippe. Ben oui, alors on comprend bien que, vous voyez, ça, le gros avantage d'un satellite, c'est qu'il parcourt l'ensemble du globe. Donc ça veut dire que finalement, ce qu'on va mesurer au-dessus d'une région va être identique à ce qu'on mesure dans une autre région, donc on va pouvoir les comparer. Et puis là, le problème, c'est que le satellite, il ne peut pas être partout en même temps. Donc, il repasse que tous les environ 10 jours au-dessus d'un même point. Donc, si on veut avoir une mesure plus fréquente, il faut qu'il y ait un autre satellite qui fasse un chemin un peu différent, qui suit finalement sur une orbite différente et qui complète. Et donc là, on va voir. Oui, c'est comme ça que j'ai sélectionné cette orbite. Hein. Donc, on a sélectionné un lanceur précis en fonction d'une orbite donnée pour pouvoir ne pas être positionné au même endroit. Ce qu'on vous propose, on va vous montrer une petite vidéo là. Alors souvenez-vous, hein, 55 minutes ou au bout d'une heure, là, on va avoir le déploiement. Et ensuite, ce sera terminé. Hein. Tout va se jouer après au Latmos, à l'OVSQ. Si on peut nous mettre une vidéo, les vidéos demandées. Merci. Bon, ça nous permet de revoir Chantal aussi. Et puis on appelle Emmanuel. C'est avec une très grande fierté et une grande émotion que je vous accueille aujourd'hui à l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin, en Yvelines, pour le lancement du NanoSat UVSQSAT. Le satellite est bien dans le lanceur.
Le lanceur est en position verticale et normalement tout semble bien parti. Donc la mise en orbite du nanosatellite UVSQ-SAT constitue un événement scientifique et technologique exceptionnel, et ceci à plus d'un titre. C'est ouvert. Dans la météo, on a 60% de conditions favorables, mais j'ai l'impression qu'ils vont lancer tout ce système parce qu'on a à bord un potentiel record, 143 petits satellites qui sont embarqués à bord de cette fusée. Le spatial est au cœur de la surveillance du climat. Une grande partie des variables climatiques dites essentielles, donc celles qu'on a besoin d'appréhender, n'étant accessible que depuis l'espace. Le développement de constellations de petits nanosats permettra de parvenir à des mesures à la fois plus fréquentes, plus locales, qui sont tout à fait pertinentes dans ces questions liées au changement climatique. It's Saturday, January 23rd, and we're here at SpaceX's headquarters in Hawthorne, California. La mise en orbite à laquelle nous allons assister constitue l'aboutissement de plusieurs années d'intenses recherches menées par les équipes du LATMOS et en particulier ici au sein de l'UVSQ et de l'Observatoire. Les scientifiques, les techniciens, les ingénieurs et étudiants et tous les autres personnels qui ont travaillé au développement de l'UVSQ-SAT depuis la phase de conception jusqu'à la phase de test ont fait preuve d'un engagement total et continu depuis le début du projet en janvier 2019 et tout au long de l'année 2020, et comme l'a souligné Chantal, malgré la crise sanitaire. On board this mission are 133 commercial and government spacecraft, in addition to 10 Starlink satellites, the most spacecraft ever deployed on a single mission. Il faut savoir qu'UVSQ-SAT, c'est la première brique pour nous d'un dispositif. On est sur un démonstrateur technologique et scientifique. Et quand on va vouloir émerger une idée, ça prend du temps. Donc ce programme a été imaginé, donc je l'ai imaginé, et on a partagé ce chemin au milieu des années 2000. Donc c'est pour nous un grand honneur de vous présenter ce programme et de voir qu'aujourd'hui, on avait réussi à mettre en place juste la première brique. The vehicle is healthy and we are currently working no issues. The range is standing by to support. Again, the weather is red, but we'll continue to monitor that all the way until T0 to see if we get a chance for liftoff today. All systems continue to go for a liftoff at 9:40 a.m. Eastern time. L'idée du Constellation, c'est d'avoir des satellites qui sont toutes sur des orbites un peu différentes et qui permettent de couvrir finalement la planète. Et je me permets de dire, je souhaite donc une longue vie au satellite UVSQ, fruit de près de 20 ans d'efforts, et on attend avec impatience sa moisson de nouvelles données. Je reste les pieds sur terre, mais j'ai la tête dans les étoiles. Bon, on va continuer quand même. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'était le temps d'avant. On était avec les masques, etc. Donc, on voit que... Non, on va faire une petite pause sur la vidéo et remettre le direct SpaceX. Voilà. Bon, 42 minutes, vous voyez, bientôt, hein, il va y avoir de l'action. Alors... Bon, moi, je vous l'ai dit hier, pour nous, c'est déjà une grande victoire que d'avoir fait cela, hein, parce que arriver à développer un système de A à Z depuis une feuille blanche,
et puis avoir mis en orbite le dispositif. Alors, vis-à-vis déjà de nos amis du département, comme diraient les Américains, the job is done, c'est-à-dire le travail est fait. Par contre, j'ai Emmanuel qui va maintenant parler, et pour lui, ben, tout comme pour André Jean, ben, c'est le début de leur problème. Donc, une affaire est terminée, une nouvelle commence. Et puis, ben, on a réussi à en mettre un en orbite 2 années plus tard. Donc, Emmanuel, un micro. Oui, c'est bon. Alors, si tu peux nous expliquer rapidement comment on va réceptionner la donnée, comment vont être positionnés les 2 satellites. Et alors, il y a un paramètre qui est clé pour nous, on croise les doigts, c'est que SpaceX fasse la bonne injection. La bonne injection, cela veut dire qu'ils nous mettent au niveau de l'orbite à la bonne altitude et au bon endroit. Parce que si nous ne sommes pas au bon endroit, bon, ben, ça peut être gênant hein, vis-à-vis d'un tas de paramètres. Et Emmanuel va vous expliquer un peu cela. Voilà. Donc là, comme disait Mustapha, donc ce qui est important pour nous, c'est la réception des données au laboratoire avec l'antenne qui est sur le toit. Donc c'est quelque chose qui a commencé en 2018. Donc on a avec l'association Radio Club de Saint-Quentin-en-Yvelines et avec la salle francophone, nous avons développé une station qui permet de piloter UVSQSAT. Donc UVSQSAT qui est à 500 km d'ici. Donc on est capable d'envoyer un signal vers l'espace pour contrôler le satellite et ensuite de recevoir les signaux qui viennent du satellite à 500 km et de décoder les données. Ce qui est important pour nous, c'est la visibilité. Donc là, ici, on a de la chance, on a pu installer une antenne sur le toit du bâtiment. Donc en fait, on n'a aucun immeuble qui nous gêne. Donc on peut contrôler le satellite, écouter le satellite sur 360 degrés et sur la totalité de l'élévation, donc sur 180 degrés. Donc ça fait combien de temps, ça? Donc ça a commencé en 2018. Et combien de temps qu'on a l'observation, qu'on peut le contrôler pendant combien de temps? On peut contrôler donc le satellite pendant environ 10 minutes. Donc chaque passage au-dessus de l'atmosphère, comme disait André Jean, on a 2 passages le matin, 2 passages le soir environ. Donc on peut contrôler à chaque fois UVSQSAT pendant 10 minutes. Sachant qu'on doit respecter quelques réglementations vis-à-vis de l'émission de signaux radio. Donc en fait, un tout petit peu moins de 10 minutes lorsqu'on va envoyer des télécommandes. Mais par contre, en réception de télémesures, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a une très 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 bonne visibilité du satellite au laboratoire. Lorsque le satellite descend jusqu'au niveau de l'horizon, on est encore capable de le décoder. Donc là, ce qui va venir pour InspireSat 7, c'est qu'on va attendre donc le déploiement et ensuite les 15 minutes pour que les antennes du satellite se déploient. Dès que les antennes vont être dépliées, André Jean disait que le beacon, donc la télémesure qui contient l'information de bonne santé du satellite, ce beacon-là va être émis toutes les 30 secondes. Donc là, dans quelques minutes, en fait, on va monter au centre de contrôle commande et on va aller observer le signal radio et essayer de détecter ce signal-là afin de centrer l'antenne sur le satellite. Et là, normalement, si tout se passe bien, si on a bien fait notre travail, on devrait être capable de décoder InspireSat dès les premiers passages et voir quel est son état de santé. Et là, André Jean va envoyer les premières télécommandes pour commencer la cet envol. Alors, c'est quoi une première télécommande, par exemple? Donc, typiquement, la première télécommande qu'on va envoyer, c'est ce qu'on appelle en informatique un ping. C'est simplement une télécommande qui permet en fait de stimuler le satellite et de vérifier s'il répond bien. Donc, c'est une télécommande qui a très peu de données à l'intérieur. Enfin, en fait, c'est pour minimiser en fait l'information qu'on lui envoie. On veut réagir très rapidement avec le satellite. Donc là ici, comme je vous le disais, donc l'antenne qu'on a sur le bâtiment, on l'a démarrée en 2018, on l'a baptisée Hermès. Et maintenant, donc on a une deuxième antenne qui est en cours de test sur le parking du laboratoire, vous avez pu la voir quand vous êtes arrivé. Celle-ci, on l'a baptisée Elsa et on va la mettre à La Réunion. Là, l'objectif, c'est de diversifier en fait, nos sites de réception. Donc là, on peut réceptionner sur toute la zone européenne, Europe de l'Ouest. Donc là, ça sert strictement rien en fait de mettre une deuxième antenne sur l'Europe de l'Ouest, parce qu'en fait, elle va capter la même chose. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de mettre une antenne loin de l'Europe, donc par exemple à La Réunion, puisqu'on a des facilités là-bas, et de pouvoir vider en fait la mémoire du satellite sur un autre point du globe. Donc avec ça, on pourra générer plus de données, puisqu'on sera capable de vider plus de données sur les stations sol, donc avec Hermès et ELSA. Donc ELSA, c'est quelque chose qu'on a démarré il y a environ un an avec l'Electrolab de Nanterre et la société SR Technologies à Rambouillet. Alors au tout départ aussi, on a eu quand même quelques informations du LAPS, du LAS, pour nous aider au démarrage.
Ah, c'est bien, ils avaient une grande expérience sur ces enjeux. Ouais, donc le LASP avait déjà commencé à envoyer des CubeSats en orbite. Ils avaient déjà développé des stations sol avec leur radioclub locaux, évidemment. Et donc on a pu bénéficier en fait de leur retour d'expérience vis-à-vis de ces aspects-là. Et donc le lien avec les satellites qui était relativement nouveau, finalement, pour au moins notre communauté à nous. Donc là, qu'est-ce qui va se passer dans les heures à venir? Donc là, c'est qu'on va maintenant devoir opérer deux fois plus de satellites. Certes, on passe de 1 à 2. Mais pour nous, ça change beaucoup de choses, puisqu'en fait, il faut absolument automatiser toute la chaîne de pilotage de ces deux satellites. On ne peut pas se permettre de rester en permanence devant l'écran avec trop peu de ressources humaines, en fait, pour pouvoir piloter ce satellite. Donc là, c'est là où Christophe Dufour intervient, en fait, pour pouvoir programmer, en fait, anticiper les passages au-dessus de l'antenne Hermès et au-dessus de l'antenne ELSA pour pouvoir piloter les deux satellites. Alors on peut automatiser la réception de données, mais est-ce qu'on peut automatiser une commande finalement? Parce qu'on lui envoie des commandes, c'est-à-dire que là tu as parlé, on envoie un Bing pour pouvoir savoir s'il communique, mais on a des opérations. Alors. Donc là ici, les opérations de télécommande pour aujourd'hui ne va pas les automatiser, puisqu'en fait on ne sait pas comment on ne sait pas si on va avoir le satellite exactement à l'heure où on s'attend à l'avoir. Donc là ici, c'est vraiment une opération manuelle. On vérifie visuellement que le satellite, que le signal radio, le satellite est présent sur nos équipements, et c'est là où André-Jean va envoyer manuellement en fait les télécommandes vers le satellite. C'est là qu'on réagit par rapport au comportement du satellite, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est un petit satellite malgré tout, donc il n'y a pas un grand nombre d'opérations. Je peux vous couper juste deux secondes, c'est le direct, hein. Mais je vous redonne la main. Juste, vous voyez, on est à environ 485 km d'altitude, on est bien, il nous manque 15 km. Donc, vous vous souvenez, je vous avais parlé d'environ 500 km d'altitude, donc on est en train de se positionner, et là, bah, on va avoir droit à notre petit déploiement de satellites. Hein. Et puis là, on voit l'Afrique et Madagascar. Voilà. Et... Donc on a de belles vues. Hein. Donc le premier, nous avons eu un tir de jour avec des conditions météo catastrophiques. Et puis vous avez vu pour le deuxième, nous avons aussi des conditions qui n'étaient pas bonnes, mais de nuit. On espère quand même un joli temps pour le troisième lancement et que l'UVSQ invite des personnes au lancement. Sur place, c'est à voir dans une vie au moins une fois. Il faut savoir débloquer des fonds. Je vous laisse, je vous redonne la main. Bon, on va continuer de parler effectivement des opérations. Alors, on disait, c'est pas un très gros satellite, donc il y a moins d'opérations peut-être que sur certains. Par exemple, comme les rovers, quand on est un rover sur Mars, bah, tous les jours, on fait des opérations compliquées. Malgré tout, il y a des opérations. Alors, typiquement, on a un ordinateur de bord. Alors tout le monde sait ce que c'est que rebooter son ordinateur et les problèmes, donc ça c'est ce qu'on fait aussi finalement régulièrement. Voilà, bon, c'était pas prévu à la base, mais c'est ce qu'on fait. Donc là ici c'est devenu une routine, et en fait grâce à l'automatisation on est capable en fait de pallier aux problèmes qu'on découvre en vol. Là au sol on peut pas tout découvrir, donc on découvre des anomalies en vol comme avec les gros satellites, et ce qui est intéressant c'est qu'on a quand même un gros retour d'expérience du spatial au laboratoire, et on est capable de trouver des correctifs qui nous permettent de continuer à opérer satellite en mode scientifique. Alors on relance l'ordinateur de bord de la même façon que quand on est embêté avec son PC et qu'on peste, on fait échappe et on essaye de relancer. C'est pas aussi simple, mais ça marche quand même de la même façon. Ok, donc vous voyez, à distance. Et puis alors, il y a aussi finalement la rotation. Là par contre, on peut aussi jouer là-dessus. On a des informations sur la rotation et on peut la ralentir. Donc c'est ce que disait André-Jean tout à l'heure, donc on a une carte dite magnétotorqueur, donc en fait une carte électronique qui contient des bobines tout simplement, des bobines qui permettent de créer un champ magnétique. Et en fait le champ magnétique qui est à bord du satellite, créé par cette carte-là, va interagir avec le champ magnétique de la Terre. Comme quand vous prenez deux aimants côte à côte, en fait vous sentez qu'il y a une répulsion, et en fait on va jouer sur ces champs magnétiques pour pouvoir aligner une face du satellite vers la Terre afin d'avoir les mesures sur les capteurs scientifiques les meilleures possibles. Exactement, oui. Ben un grand merci. Hein. On peut potentiellement faire un appel à Alain Sarkissian. Et Alain Sarkissian, oui, on t'a pas oublié. Et Nicolas Kenya. Là, juste pour vous parler du programme pédagogique, parce que vis-à-vis des antennes, la licence professionnelle CIMIS a été impliquée. Et donc... Mais ce qu'on peut, c'est surtout que Nicolas peut nous expliquer un peu son parcours. Exactement. Hein, on va d'abord dire à Alain un petit peu de nous expliquer le cadre.
peut-être voilà. de la licence pro. Et puis après, ça a été finalement la première opération. La licence pro de la mise en place. Après, on a mis en place le master, mais au départ, c'est quand même la c'est licence vrai. Pro. On a commencé par avec des gens, on le rappelle, Airbus, Ariane Group, qui nous disaient il nous faut des bac plus 2, bac plus 3. On a besoin de ça. Donc, bon, encore un autre appel. Hein, si voilà, vous vous dirigez vers des études courtes, enfin, courtes, relativement courtes, le spatial est accessible. Tout à fait. Et à plusieurs niveaux. Donc là, on a un exemple tout à fait correct de ce qu'on a réussi à faire. Donc, vas-y, tu vas nous expliquer ton parcours. Mais juste Alain, avant quand oui. même. Il faut savoir qu'au milieu des années 2000, on discute ensemble. Et puis, on a réfléchi à ces affaires. Et puis, à un moment, il y a ce programme de licence professionnelle qui a été mis en place. Hein, tout à fait. Dès 2013, 2014. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, quand on voit le parcours de Nicolas Kenyard, mais on vous montrera aussi, hein, on a d'autres petites pépites comme Canel Clavier, Angèle Minet, hein, et d'autres personnes, Louis Deschazeaux, Louis qui est là. Et ainsi de suite. Donc on est fiers quand même, hein, de ce que Nicolas a fait. Vas-y. Donc bonjour à tous, je suis Nicolas Kenyard, je suis actuellement ingénieur à la PIT, je vous présente mon parcours. Donc mon parcours a été celui d'un étudiant de L3 Pro Simis. J'ai ensuite fait un stage au Atmos. J'ai participé au développement du centre de contrôle commun satellite. J'ai ensuite été embauché par le Atmos. J'ai continué à aider Emmanuel au développement du CCC. Donc ça s'est fait juste avant, pendant l'intégration, donc l'assemblage du VSQSAT. Et ensuite, j'ai continué à travailler avec Mustapha et l'équipe pour ensuite basculer à la PIT. Et en étant à la PIT, j'ai toujours gardé le lien avec la famille des nanosatellites. Donc je suis toujours... avec eux, je veux dire ça, à peu près environ une fois par jour, une fois par semaine, pour pouvoir aider, notamment au centre de contrôle de commande satellite. Et en parallèle, je fais les essais. Donc sur InspireSat 7, j'ai participé à l'intégration. J'ai même été jusqu'au bout avec la livraison du satellite. Et voilà, on est là aujourd'hui. Il est à 1h05. Et finalement, pourquoi tu as fait la licence pro? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette licence pro? Bah, tout simplement, parce qu'il y avait le petit mot spatial dedans. Voilà. Puis je me suis dit. T'imaginais faire du spatial? Plus de l'aéronautique, mais je me suis dit, le spatial, pourquoi pas? Et c'est un peu paradoxal parce que vu que j'habite Guyancourt depuis que je suis petit, je ne connaissais pas l'observatoire. Qui est pas très loin de chez moi. Et du coup, voilà, c'est une pierre deux coups. Donc comme quoi, il faut encore faire des efforts de communication. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Voilà, juste pour préciser que la licence pro va disparaître et on va être remplacé par un BUT. Voilà, donc un but. Voilà, à partir de la prochaine rentrée. Mais on attend beaucoup d'étudiants. Voilà, je crois que c'est... Bon, alors. On repart au direct, on peut avoir le son. Merci, c'était très bien. Bon, on peut peut-être appeler aussi avec nous, là, sur le direct, Christophe Mercier. Christophe. Parce qu'il y a des gens qui vont devoir nous écouter bientôt, là. Hein. Ouais, là, maintenant, ça va être. Aux amateurs et aux... Alors, normalement, InspireSat 7 et Rosé CubeSat vont être déployés à 1h05 et 0 seconde sur le compteur. Donc là, vous voyez, ça défile. Alors, bon, nous, ça nous arrange, on voit un 507 km. Donc plus nous sommes hauts, mieux c'est pour nous. Hein. Bon,
Par contre, on ne doit pas dépasser 550 km d'altitude vis-à-vis de notre contrat. C'est vis-à-vis du respect de la loi des opérations spatiales. Mais mieux, c'est pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on va être plus longtemps dans l'espace ? Alors, oui, il y a ce premier point. C'est plus haut, c'est plus propre à de multiples niveaux. Hein. Alors, on peut peut-être demander très rapidement à... So far, we have had an excellent mission. We had an on-time lift-off at 11:48 p.m. Pacific time. We recovered our first stage vehicle at landing zone 4. And we completed the first of 4 second stage burns. Now we are just about 10 seconds away from the relight of our MVAC engine. This will be a quick. Vous voyez la superbe vue de l'Afrique, hein? And we will have immediate. Puis surtout, on voit le côté très opérationnel des choses, hein, puisque on a même l'hôtesse qui est en train de nous expliquer ce qui va se passer. Donc on se croirait en avion. Alors, je pose une question à André Jean, là, que va-t-il se passer dans les secondes, minutes qui viennent ? Alors, à 1 heure et 1 minute, alors, oui. Ouais, 1 heure, 1 minute et 48 secondes, le premier satellite va être éjecté. Et, et ça part dans la séquence où nous, on arrive les 15e à 1 heure, 5 minutes et 0 secondes. Donc, il faudra bien observer, j'espère qu'ils mettront la vidéo à ce moment-là du lanceur. Il faudra bien observer qu'on voit un SpearSat 7 éjecté. Alors, souvenez-vous, hein, Rosé CubeSat, le petit inu qui va être éjecté en premier et le suivant. Alors, très rapidement, je vais quand même poser une question à Christophe. On va être éjecté là d'ici quelques minutes. Que va-t-il se passer au niveau Au niveau des radioamateurs, puisque un SpearSat 7 va être sur les fréquences radioamateurs. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la carte Spino aussi a été embarquée. Et là, il y a autour du monde un certain nombre de radioamateurs qui sont déjà prêts à faire de l'écoute. Donc, on leur a fourni un logiciel. Hein. Il y a eu plus de 200 chargements de ce logiciel, donc un certain nombre. Et je regardais sur AVSQSAT, il y a des gens qui ont aussi utilisé ce logiciel pour charger des données du 200 VSQSAT. De par le monde ou 200 français ? Non, 200 par le monde. Hein. De par le monde. Hein. Quand même être, ce qui est déjà pas mal. Et puis, il y a des réseaux. Une couverture globale, du coup. Il y a une couverture globale. Hein. Notamment, je sais que les Japonais sont prêts. Il y a des gens qui sont à Madagascar qui sont prêts, en Afrique aussi. Donc, il y a aux États-Unis. Et puis, on a des réseaux, donc, notamment SideNodes, où il y a 63 stations qui ont été prépositionnées. C'est un réseau communautaire pour l'écoute de satellites. Et donc, sur lequel ça a été prépositionné. Il y a un autre réseau qui est un peu moins connu, qui s'appelle Air2Cloud, qui est aussi prépositionné sur ça. Donc, on a, je dirais, globalement, plusieurs centaines de stations qui sont, du moins une bonne centaine de stations qui sont prêtes à écouter. Et donc là, dès qu'il y a des données qui vont arriver, on pourra les avoir en direct, puisque ces données-là sont retransmises sur nos bases de données sur Internet. Donc, lorsque nous allons disparaître avec Christophe, parce que nous avons un déplacement important à faire, vous allez recevoir, vous, ici, normalement, la première réponse. Ah, mais tu pourras aussi suivre, puisque tu as accès, et tu le sais bien. C'est que je serai en train de conduire pour me diriger vers l'aéroport Charles de Gaulle, mais c'est pour ça. Mais Christophe pourra regarder sur le Grafana, qu'on a. Donc, on a un Grafana, donc... C'est l'affichage en fait des données en temps réel du satellite en fonction de ce qui est reçu et c'est hébergé sur les Trolab avec l'AMSAT. Ouais. Voilà. Petite question très courte. En termes de nombre de données téléchargées par AVSQSAT, est-ce que nous avons le record pour les petits satellites ? Alors c'est vrai que sur les petits satellites, AVSQSAT est particulièrement bien placé puisque c'est plus d'un million cinq de données qui ont été, du moins de trams qui ont été récupérées. Et c'est par rapport aux satellites standards, c'est dans le top. Oui. Bon. Bah, c'est une très bonne chose. Pour une année et demie d'existence, oui. Pour 2 ans. Voilà. Ben, un grand merci. Et puis, on proposera aux radioamateurs un moment d'activer les 2 transpondeurs audio du VSQSAT et d'un SpearSat. Et évidemment, la carte Spino. Alors, c'est bientôt là. Hein. Ah, ça va venir. Ah, on aimerait avoir ces images. DWASAT 2, separation confirmed. Des WASP. Alors, on nous a dit qu'il n'y avait pas des caméras partout. Nous avons croisé les doigts pour que ce soit de notre côté, mais on espère vous montrer ces vidéos.
Donc, dans 3 minutes, Orb Astro. Orb Astro AF1, separation confirmed. Bro 9, separation confirmed. Donc, vous voyez tous les satellites qui sont en train d'être libérés. I got a signal to ah, ah! Nous sommes chanceux. Exprès pour nous. On reflection, separation confirmed. Donc, les murs. Donc, l'image que nous vous avons envoyée du stack des différents satellites. Ici, nous avons une vue. Hein, et ben, je ne sais pas exactement où nous sommes. Hein. Dans 2 minutes. Oh. Gaspar, separation Gaspar. Confirmed. That confirms 9 total deployments so far, and we were able to see one of them there on your screen live. Also, very cool view. We are looking forward at the payload with Earth in the background. C'est magnifique, hein? Dans 1 heure, c'est dans 1 minute et 20 secondes. Alors, vous avez vu l'altitude, hein, 508 km d'altitude. Donc, ce qu'on nous avait annoncé, c'est au périgée, c'est-à-dire... On a vu un autre, oui. On l'a vu aussi, oui, oui, par le haut. Dans 1 minute. Donc, on nous avait annoncé entre 497 et 502 km d'altitude. Donc, visiblement, on va être un peu plus haut. Connect T2.1, separation confirmed. Sapling, separation confirmed. LS2F, separation confirmed. C'est de l'autre côté, hein? 10 secondes. Saksat Chiribikite, separation confirmed. 5, 2, 1, rosé. Rosy CubeSat 1 and InspireSat, separation confirmed. Oui, oui. Bon, on est désolé, on n'a pas les images, mais on nous a annoncé la séparation. C'est-à-dire maintenant, c'est entre les mains de nos amis radioamateurs et du réseau SatNogs. Total of 16 deployments. We are currently in the first deployment sequence. And we have a total of 21 deployments in the sequence. Est-ce qu'on peut faire une photo avec tout le monde? Et donc les autres vont être déployés à plus haute altitude, c'est ça, hein? André, Jean, ouais. We actually have 21 deployments that we will hear with ground station coverage, and a total of 35 deployments in the sequence. It's about time. Separation confirmed. Tu l'as vu? Vous avez vu ou pas? Oui. Bon, donc maintenant c'est le moment des photos et du champagne. Vous voyez la région. Regardez la région du Nil. Another 2 deployments have been confirmed. Voilà, on se dirige vers la Méditerranée là. That is a total of 18 deployments confirmed so far. Est-ce qu'on peut vous demander là à l'équipe là et à tous ceux qui étaient impliqués de venir, on va faire une photo tous ensemble. Venez avec nous. Again, we are expected to les partenaires, et puis on veut les radioamateurs aussi là, les enfants en face des mains. Si on nous autorise. Once we regain coverage, we will confirm the deployments that happened during that period.
CubeSats Helio 0 separation confirmed. Et puis tout le monde peut ici venir sur notre terrain. An additional 2 more deployments have been confirmed, total of 20 so far. And we are seeing some pretty cool views of Earth there on your screen. Génial, hein. We are expecting to be able to confirm one more additional deployment before we lose ground station coverage. That's coming up here in about 30 seconds. Again, so far we've confirmed 20 deployments for this mission. Bon, ben merci d'avoir été patient sur cette séquence qui a retenu notre, attendez, là, notre attention. Juste, je prends un direct en face avec vous. Lemur 2, Romeo and Leo. Yeah, good morning, Alan. Hello, you fine? Yeah, thank you very much. You have good news for us? Part of the first set of deployments. So far, we've had 21. Yeah, we see that one. I can put online for old people because we are online directly. So if you can say hello to all people who were here. So, bonjour à tous. Bon, je suis avec une personne qui nous a aidé, qui s'appelle Alan Goubieff. Et puis, il va nous faire un petit message. Attends, Alan. You are online. Congratulations to everyone. Nice job. I'm really glad that all worked. And yeah, it was really, really nice to have a work with you guys. So congratulations once again. And good luck with your satellite commissioning. So thank you very much, Alan, and hope to see you soon to discuss about that one. Thank you, bye-bye. Yes. Thank you, bye-bye. Donc, on nous confirme le déploiement, hein, vous avez vu, et ben, c'est peut-être pour vous l'heure d'aller boire un verre. Et puis, on va quand même laisser un peu là, en arrière-fond le direct. Bon, ben, merci à tous, hein. C'était superbe. Vous avez vu qu'on est allé au bout de la limite pour nous. On doit disparaître avec Christophe. Merci à la régie. Merci à la régie, hein. Vous avez été aussi superbe. Et puis, ben, à bientôt.